vraiment qu'il pleuve. Oh, la terre est sèche comme de la poussière. Oh, ben, ça ne va sûrement pas tarder. Chaud devant. Bon, Hippolyte, je vous laisse. Oups, désolé. Et je ne veux plus voir un grain de poussière. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, je l'ai retrouvé dans un carton. C'est mon boomerang fétiche. Waouh! Hé, pep, 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 on ne touche pas! Il a beaucoup trop de valeur. En vrai, mon bébé. Mais vous avez eu des cheveux? Oui, bon, ça va. Il reste encore plein de poussière, alors on s'active du balai. Hippolyte, et quand vous aurez terminé, vous voudrez bien me donner un petit coup de main au potager? Mais bien sûr, madame la directrice, j'arrive de ce pas. Tu peux retourner avec les autres, tu finiras plus tard. Ah, Brian, nous allions justement commencer le cours de fitness. Fitness, je préférais encore la punition d'Hippolyte. On commence par un exercice tout simple. Hé, Matt, tu préférerais pas plutôt une petite partie de boomerang? Ouais, carrément. T'as un boomerang, toi? Ouais, ça se pourrait. Un peu plus difficile maintenant. Retrouve-moi à côté du banc dans 5 minutes. Il est trop cool. Tu l'as trouvé où? C'est à Hippolyte. Soi-disant qu'il a été champion avec... Et il te l'a prêté? C'est hyper sympa. Tu rigoles. Je l'ai pris en douce. Quoi? Oh. C'est malin. On a intérêt à le retrouver maintenant. Alors, tu le vois? Non, il est pas là non plus. Qu'est-ce que vous fabriquez? Matt a perdu le boomerang d'Hippolyte, alors j'essaie de le retrouver. Quoi? Qui c'est qui a eu la bonne idée de lui piquer d'abord? Vous avez volé un boomerang à Hippolyte? Tout de suite les grands mots. Je l'aurais rendu, si Matt l'avait pas perdu. Faut le retrouver avant qu'Hippolyte s'aperçoive qu'il a disparu, sinon c'est la cata! Impossible de mettre la main dessus. Je crois que j'ai une idée. Allez les petits loups, tout le monde après moi. Juste attends, regardez qui revient. C'est gentil de m'avoir aidé, Hippolyte. Vous êtes la bonté incarnée. Oh, madame la directrice. Brian, je crois que tu as une punition à finir. Tu crois que ça va marcher? T'inquiète, il verra que du feu. Ah tiens, si, il s'en est rendu compte. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Je suis sûr que c'est toi qui as volé mon boomerang. À vous tout de suite, petit brigand. Enfin, Hippolyte, Brian n'a rien fait du tout. Il faisait son fitness avec les autres. S'il s'était absenté, je l'aurais quand même remarqué. Ouh, vous avez un boomerang? J'adore ça. Il faut nous faire une démonstration. Non, c'est long. Et si on organisait une démonstration pour le goûter, hein? Très bonne idée, Annette. Venez m'aider à tout préparer.
Il faut laisser aux champions le temps de s'échauffer. Écoute-moi bien. Je sais que c'est toi. Je veux que mon boomerang soit de retour avant le goûter. Sinon, c'est corvée de nettoyage pour tout l'été. Et à la brosse à dents, en plus. Je crois que c'est fichu. On n'arrivera jamais à retrouver son boomerang. Ouais, faudra un miracle. Quelqu'un est en train de s'amuser avec le boomerang d'Hippolyte. En haut de l'arbre. Oh, dis donc, toi là-haut, t'es gonflé de piquer les affaires des autres. Descends un peu et rends-nous ce boomerang tout de suite. Hey. Le boomerang? Mais alors, c'est toi qui l'as lancé tout à l'heure? Bon, fini de jouer. Rends-moi ce boomerang tout de suite. Espèce de vieille branche. Faut pas l'écouter, hein. Il adore blaguer. Rappelez-moi de plus jamais m'énerver contre les arbres de cette forêt. Regardez les feuilles. Elles ont vraiment une sale tête. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Faut pas l'écouter, monsieur l'arbre. Elles sont hyper belles, vos feuilles. Vous croyez qu'il va s'amuser encore longtemps? Je crois pas qu'il soit en train de jouer. Qu'est-ce qu'il veut? Je crois que je sais. Il veut que tu vises les nuages. Ben, pour quoi faire? Pour faire pleuvoir. L'arbre a soif. Il essaie de se servir du boomerang pour percer les nuages. Mais apparemment, il n'arrive pas à le jeter assez fort. Ça va pas être facile, mais je suis pas le boss du camp pour rien. Hein? Ah! Oh! Désolé, monsieur l'arbre. Le pauvre. Il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Bah tiens, tu veux essayer? Laisse tomber, j'y arriverai jamais. Hé, hey, j'ai une idée. Mon petit boomerang. Oh, le vilain Brian, il va l'avoir, cette punition, je suis sûr. Je suis là. Tadam. Mon bébé. Donne-le-moi. Vous oubliez pas un truc? Merci. Où avais-je la tête? Puisque tu me l'as rapporté, je réduis ta punition à 2 semaines de nettoyage. Pas question, on enlève la punition. 1 semaine. On l'enlève. 3 jours. On l'enlève. Vendu. Ah, viens avec moi, viens avec papa, mon petit. Vous êtes là, Hippolyte. Le goûter est prêt. On n'attend plus que vous pour la démonstration. Ouais. C'est que je ne voudrais pas l'abîmer. Et puis j'ai du rangement à faire. Oh, bon, eh bien, une prochaine fois peut-être. Comment on va faire? C'est dommage, Hippolyte. Tout le monde attendait ça avec impatience. Et puis, ça aurait tellement impressionné Odile. Tu crois? Odile! Attendez, j'ai fini mon rangement. Au fait, Brian, j'ai menti au sujet de la punition. Tu commenceras par laver les panneaux solaires. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le grand 8 polonais? Le boomerang indonésien? Vous arriveriez à le lancer jusqu'au nuage là-bas? Oh, vous n'y pensez pas! C'est beaucoup trop haut! Bon,
Vent sud-sud-ouest, force 4,5. C'est jouable. J'hallucine. J'étais pas à fond, là. Une autre démonstration? Non, ça suffira, Hippolyte. C'était très bien. Et tout le monde à l'abri! Ça a marché. Incroyable. Ouais, t'as raison. J'aurais jamais imaginé qu'Hippolyte puisse faire un truc aussi cool. Merci du compliment. Mais c'est pas pour ça que tu vas être exempté de punition. Allez, hop! Nettoyage des panneaux solaires. Pas de chance, hein. La pluie a déjà fait tout le travail. Tiens, comme ça, tu auras plus de temps pour nettoyer la cuisine. Je crois qu'on a fait un heureux.